L'Alias Torti, on est ici aujourd'hui à Lens, match au sommet de D2 féminine, Lens-Nantes. Comment tout s'est passé? C'était un match bien engagé, avec un suspense jusqu'à la fin. Je pense que les deux équipes ont montré aujourd'hui de quoi elles étaient capables. Mmh. Aujourd'hui, on ressort avec les 3 points, donc c'est positif pour nous. Et je trouve que dans l'ensemble, c'était un match engagé et les deux équipes ont rendu présence. Oui, et à la fin, c'est vous qui marquez le but de la victoire. Important, hein? Oui, c'est un but important et surtout pour l'équipe. C'est vraiment un travail de fond sur l'équipe qui a débuté. Il y a eu des rentrées en jeu qui ont impacté. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est un travail de groupe. Il y a notre entrée, Christabel Odoro, qui fait un travail de fou sur le côté et qui me glisse le ballon. J'ai juste à la mettre au fond. Donc je tiens à souligner, c'est vraiment un travail d'équipe. Et maintenant, comment vous voyez la suite en D2 féminine? Nantes est un candidat au titre? Oui, aujourd'hui, on prétend être sur le podium, au titre possible aussi. Je pense qu'il faut prendre match après match comme on fait depuis le début. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien. Maintenant, on va commencer la seconde partie de saison dès la semaine prochaine. Donc c'est un nouveau cycle et il faut reproduire la même chose pour qu'à la fin, il y ait une belle histoire. Ok, félicitations et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.